I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. Care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. Yeah, this is it. Parce que moi j'ai des lunettes. Non mais je lâche. Non mais c'est qu'un chez moi, elle me met la honte dans la rue, donc ça m'a qu'à bien voler. Le problème, c'est comme elle marche à deux à l'heure. Moi, je m'en suis jamais arrivée. Elle était toujours sur ma place. C'est vraiment fait du tout. Moi, je fais tout à et on avait déjà essayé plus ou moins une robe que je vais réessayer. Ah, si j'avais eu le malheur de dire que ça me plaisait pas, alors là, c'était catastrophique. Mais bon, tu peux me faire ça? Je t'ai qu'une fille. Procéder au mariage de Frédéric Jacques Herzenfils avec Laetitia Claude Mattei. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Frédéric Jacques Herzenfils, consentez-vous à prendre pour épouse Laetitia Claude Mattei? Oui. Laetitia Claude Mattei, consentez-vous à prendre pour époux Frédéric Jacques Herzenfils? Oui. Au nom de la loi, je déclare Laetitia Claude Mattei et Frédéric Jacques Herzenfils unis par le mariage. Félicitations. Très heureux d'être là pour concélébrer ce mariage dans cette mairie de Neuilly où depuis
deux générations maintenant, les Peretti et les Sarkozy ont célébré des mariages. Cela dit, vous n'êtes pas trompé parce que comme tu le sais, Frédéric, notre génération, on est beaucoup moins cher. Donc il n'y a pas de risque de ce côté-là. Et je suis très heureux parce que ça fait 10 ans que je te connais, Frédéric. Ça a été mon médecin, un excellent dentiste. Il m'a fait un peu souffrir quand même. Et donc là, j'avoue que c'est une espèce de petite satisfaction personnelle de l'opérer aujourd'hui. Et de l'avoir devant moi, c'est pour ça que je préfère que tu sois assis et que tu ne bouges pas trop, si ça ne te rappelle rien. Alors, je n'oublie pas les témoins, parce que j'imagine que vous êtes Pierre. Je peux vous appeler Couscous ? Parce que pour les besoins de l'histoire, c'est plus efficace. D'accord. Et vous êtes Coton ? Morgane. D'accord. Et puis, c'est Sylvain et Alexis ? D'accord. Et Alexis. Votre histoire, c'est plus une histoire d'amour, c'est, au fond, un film hollywoodien. Une comédie romantique. Il y a tous les ingrédients, d'ailleurs. D'abord, les protagonistes, les acteurs, au physique particulièrement avantageux. Enfin, je ne parle pas de Frédéric. Ensuite, il y a élément indispensable dans la comédie romantique, le moment de tension et de déni. Vous savez, l'amour est aveugle, paraît-il, mais avant cette phase où l'amour est déclaré, il y a toujours un moment où les futurs protagonistes sont dans la myopie la plus complète. C'est l'évidence qu'ils sont faits pour être ensemble, c'est l'évidence que déjà, sans le savoir, ils s'aiment, et pourtant, ils ne le voient pas. Alors, l'histoire, elle a commencé par la plus pure des coïncidences, c'est un sombre problème de fuite dans l'immeuble du 34 avenue Montaigne. Donc, à quoi ça tient, les histoires d'amour, hein ? Il se trouve que c'est ça qui a offert le prétexte à Frédéric pour se rapprocher de Laetitia. Au point, pendant 8 mois, de venir tous les jours pour discuter avec elle et lui apporter, comme c'est tendre et délicat, des oranges quand elle révisait ses examens. Mais moi, je crois que le plombier devait avoir un problème, parce qu'une fuite qui dure 8 mois, comme ça, j'ai rarement vu ça. Alors, ils étaient dans le déni, parce que Laetitia n'avait pas tout à fait compris au début que Frédéric était dentiste. Elle pensait que c'était juste un type attachant, au demeurant, mais qui avait des problèmes de dents, et qui venait toujours chez Bernard Toiti pour se faire soigner. C'est après qu'elle a commencé à comprendre. Et puis Frédéric, lui, était plus clairvoyant, parce que quand il a commencé à la voir, il a tout de suite compris qu'il était pris dans une espèce de spirale amoureuse. Et puis, ajouter au protagoniste le déni, forcément, pour que l'histoire prenne en tension dramatique, il faut également une adversité. Alors, à toi le déni. À toi l'adversité, les histoires d'amour et les grandes histoires d'amour, elles sont grandes parce qu'au début, elles sont difficiles. Forcément, quand on se rencontre, ça peut susciter, ça et là, un trouble. Bon, dans le scénario, je pratiquerai l'ellipse, ça sert à rien de revenir sur certaines choses, mais en tous les cas, c'est ces difficultés que vous avez su dépasser ensemble qui ont fait la force de votre union. Et voilà, sous les dehors du dandy un petit peu détaché, se cache un véritable cœur romantique, qui a fait les choses dans les règles de l'art et qui a été demander la main de sa femme, à son père d'abord, à sa mère ensuite, et à son futur beau-frère, le dénommé Couscous, qui a accueilli cette nouvelle sur son lit, qui est, je crois, le lieu de prédilection. Au-delà du scénario de film, à la différence de ce que serait un film qui s'arrêterait sur ce moment-là et on repartirait en travelling arrière, on enverrait le générique. Là, aujourd'hui, c'est l'histoire qui commence, finalement. On vous souhaite, bien sûr, de vivre un grand bonheur, que ce soit à Varello, que ce soit à Avenue Montaigne, à Neuilly ou ailleurs, peu importe, puisque le bonheur, finalement, c'est pas tellement la destination, c'est le chemin. Et vraiment, du fond du cœur, je vous prie de me croire, à tous les deux, je vous souhaite bonne route. Bravo. So cry.
I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle, I'm the freaking man. Or are you something for me to begin again?